En 1929, Alberto Cavalcanti, réalisateur du Chant de la mer et d'Au cœur de la nuit, tourna un film muet d'après la jalousie du barbouillé de Molière. Les principaux interprètes en étaient Jean Aimé, Philippe Heria, Fred Pasquali et Janel Bling. On n'a jamais retrouvé la trace de cette œuvre. La pièce que vous allez voir aujourd'hui n'a aucun rapport avec ce film. Aujourd'hui, pour réussir dans le spectacle, il faut comprimer le personnel. Déjà ? Et nous ne sommes qu'en 1929. Allez, allez. La jalousie qui part bouillée, scène numéro 2. Monsieur. Monsieur, je vous assure que vous m'obligez beaucoup de me tenir quelquefois compagnie. Mon mari est si mal bâti, si rustre et si ivrogne que ce m'est un supplice d'être avec lui. Et je vous laisse à penser quelle satisfaction on peut avoir d'un rustre comme lui. Mademoiselle. Vous me faites trop d'honneur de me vouloir souffrir. Et je vous promets de contribuer de tout mon pouvoir à votre divertissement. Coupez ! Je suis le metteur en scène, je ne peux pas à la fois m'occuper des... Vous voulez qu'on perde 2 heures à aller dénicher une fille au village ? C'est un petit rôle important ! Je comprime. Je lague ! Au diable les petits rôles ! Les crèves la faim n'ont qu'à faire du théâtre ! Ça gêne personne et on n'est pas obligé d'aller les voir. L'artiste maudit, là, qui ont été à te pourri. Mais quoi, c'est le bon texte, hein? Il m'a autorisé, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Oh! Ma foi, sans aller chez le notaire, voilà le certificat de mon coquillage. Et vous, madame la carogne, je vous trouve avec un homme. Après toutes les défenses que je vous ai faites, et vous me voulez conduire de Gémini en Capricorne? Eh bien, faut-il gronder pour cela? Ce jeune homme vient de m'apprendre que mon frère est très malade. Où est le sujet de querelle? Oh! 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 C'est un gâteau, là. Oh, flûte, c'est intenable. Ah, le voilà venu. Je m'étonnais bien si nous aurions longtemps du repos. Ma foi, toutes deux, mesdames les carognes. Et toi, Caton, non, tu corromps ma femme. Depuis que tu la sers, elle ne vaut plus la moitié de ce qu'elle valait. Allons, taisez-vous, la paix. Voilà, il y a le panneau du docteur. Le docteur se met en fumée. Oh non. Et voilà le corps médical. Qu'est-ce que c'est ? Que désordre ! Quelle querelle ! Quelle clabouche ! Quel vacarme ! Quel bruit ! Quel différent ! Oh, quelle commission ! Mais qu'y a-t-il, messieurs ? Qu'y a-t-il ? Attendez, coupez ! J'avais pas enlevé tout ça, mais si vous retirez votre bonnet,
Je vous dis de remettre votre bonnet, vous me faites un baratin de 3 pages sur le mot bonnet. Là. Savez-vous d'où vient le mot bonnet? Je m'en fous le... Le textile, j'en ai ma claque. Alors ensuite, vous parlez de Socrate. Ah, Socrate! Socrate, on a commandé 3 choses, fort soigneusement à ses disciples. Ils sont morts, les disciples, on s'en fout, ils sont morts. Après, c'est la convention de Villebrequin. Alors ça, on oublie. Encore un qui sert à rien. Il remplit l'intermittent là-dedans. Allez, pianote. Après, c'est la fille qui parle. Vous êtes un ignorant. Un indote. Un homme ignare de toutes les bonnes disciplines. Un âne, en bon français. Je sais, c'est du Molière. Et vous ne me ferez pas le coup de foie. Allez, mademoiselle, c'est le moment d'aller sur du catin. Action. Mademoiselle. Action. Mademoiselle. Voyez-vous bien là, mon gros coquin. Un sac à vin de mari. Coupé. Quoi, coupé? Un peu plus tendre, si tu peux, en parlant de ton mari. Je voudrais qu'on ait l'impression qu'elle l'aime encore un peu, malgré tout. Qu'elle l'aime encore un peu, malgré tout, son gros coquin, son sac à vin. Mais c'est moi le metteur en scène, je pense que vous... Un russe mal bâti, un débauché, un ivrogne, c'est dans Molière. Mais c'est dans Molière, point final. Finissons le film, au scoop tout le monde. Oh, moi, je suis pas d'accord avec Molière. Je trouve que les précieuses, c'est jamais ridicule. Oh, le théâtre, la grande musique, les chanteurs d'opéra. Quand ils sont pas bêtes, ils amènent leur clarinette. Alors je leur joue casse-noisette. Il paraît qu'au trombone aussi, je suis bonne. Dans le sport, c'est le vélo, dites-vous, j'ai connu bon grimpeur, hein, surtout ceux qui me tendent danseuse. Mais il y a pas à dire ce que je préfère, c'est quand même la course en queue. Oh, et les monuments historiques, j'adore ça. Dis donc, t'as de la chance, toi. J'aime la tour des pistes quand elle sort danse. Et me voilà, tour Eiffel, avec son bout pointu. Ça me fait plus chatouille quand je m'assois dessus. Qu'une lame te traite d'ivrogne. Je suis bien tenté de te bailler une quinte majeure en présence de tes parents. C'est quoi encore une quinte majeure? Une quinte majeure au jeu de piquet. C'est une suite de 5 cartes de même couleur. Ici, l'expression désigne les 5 doigts de la main et donc un soufflet. Hé, hey, oh, oh! Quelqu'un appelle docteur ici? Merci pour la leçon. Action. Je t'étonne au diable l'escarcelle, si vous l'aviez fait. Putain, qui c'est qui m'a pondu un texte pareil? Ah oui, c'est Molière! C'est Molière! Mais je comprends rien, ce que je dis là, je comprends rien. C'est un subjonctif injonctif sans introducteur. Oh. Alors, si le barbelier avait giflé sa fille. Fiancé. Mais oui, mais le grigou, il aurait récupéré son pognon. Vous devriez comprendre ça, vous. En fait, il s'agit de la modification du juron. Je donne mon escarcelle au diable. Et le préfixe lié pour valeur d'exorcisme. Ce qui peut. Pour sonner, toi. Je viens de me faire passer pour un con. Je savais même. Allez, on y va. La prochaine fois, je prendrai un auteur contemporain. Au moins, je comprendrai quelque chose. Pas sûr. Allez. Il faut finir ce film. Action. Ah oui, la boniche, oui. Vas-y.